langue, nous ça qui fait nous pas capable écrire. Université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Blues l'enterrement. Arrête ban réveil. Décroche téléphone. Empêche tout zapper à les obones. Dis à piano tchoup tchap. À tambour soudine. Lève l'école à mort. Laisse-nous plot, mofine. Dis à ban avion là-haut. Tournez, virez. Écrire dans les ciels. Aïe, l'inalé. Dans les coups colombes. Mette Mimi à soi. Dis à la police trafic. Mette les gants noirs. L'itimo nord. Mossid. Moles. Molouès. Mogaï pain. Mon repos. Dimanche la peste. C'est un linguiste, un écrivain, un observateur à la société, un ancien homme politique qui finit ferme lisier le 8 novembre. Nous pécouse Davy Rassoumi qui finit beaucoup contribuer pour la promotion de la langue créole. Davy Rassoumi finit mort mercredi 8 novembre, l'itina 81 ans. Je répète ça, personne ne peut les comprendre, moi, je pédiase. Nous avons une langue qui s'appelle langue créole. Ben, nous avons dit, Dave, tu es trop beau aujourd'hui. Ferme-toi la bouche. Fini, moi, je dis, bon, un brin de folie, nous tout un peu foufou. Et je rentre d'un beau, je commence mon étude. Et mon étude, c'est l'étude langue, littérature, anglais-français. Mais après des trois mois, chef département, faculté humanité, fait appel moi dans ce bureau. Et en me rendant dans ce bureau, je trouve mon dossier devant lui. Et il pose moi une question. Il dit nous trouver ou cause ou connaître trois langues. Et non, au résultat, tu as montré ou connaître trois langues, ou connaître anglais, ou connaître français, ou connaître latin. Mais qui langue vous causez dans la case? Ou pas cause anglais dans la case, je me dis non. Français, je me dis non. Latin, certainement pas. Je me dis, vous connaissez une langue que nous, je ne sais pas comment on appelle. On appelle patois, on appelle broken English, on appelle tout ça. Et moi, oh, I see. You speak Creole. Young man, Creole is a language. Je me dis, depuis 14 ans, on peut dire ça. Une autorité, l'Université d'Edimbourg, il y a un expert en Shakespeare, peut venir dire moi que ma langue maternelle, c'est une langue, ce n'est pas une patois, ce n'est pas une langue français cascasse, etc. Bien joli, je me dis, bon, maintenant, je connais qui s'y met pour prendre. Je fais littérature anglaise, je fais littérature française, mais. Et en même temps, dans l'Université d'Edimbourg, il y a une révolution linguistique à travers le travail grand linguiste Noam Chomsky. Si mes lailles sont bien, bien longues, si mes lailles bien, bien dures, combien fin passe là avant moi. À ce domicile, la rue Dr. Edwin Itché dans Rosil, beaucoup du monde qui vient rendre un vibrant et dernier hommage à Davy Rassoumi à Zodi Gramatin, une personnalité politique et parlementaire parmi Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, qui fait un déplacement pour venir consoler un membre de la famille de sa ancien homme politique, linguiste, écrivain et observateur de la société. Ban funérailles émouvantes marquées par ban témoignage et souvenirs partagés par ban proches et que camarades de Davy Rassoumi, surtout sur ban enfants. Moi, quand je ne pas connais qui c'était pour dire toi, mais. Et petits enfants. C'est maladie. C'est l'épouse de défunt, Loga Rassoumi, fin tenir à remercier tout ban djoun qui fin exprime zot soutien à sa famille. Pour vous dire, dès que vous avez la mission, vous faites tout ce que vous avez à faire. Vous jouez tout le monde qui vous a joué. Vous avez joué certains gens comme le premier ministre, parce que vous avez un temps avec lui. Et le ministre dit qu'il y a un jour,
dit j'ai envie d'expliquer sur mon projet de venir ici et nous sommes contents d'être tous avant Dimon là aussi. Grand merci. Moi tu sais, il y en a trois semaines de cela, tu sais, le premier ministre aussi. Mais moi, mon souvenir de Dave, c'est qu'il d'abord, il y a un grand homme. Je pensais un grand Mauricien qui nous faisait pleurer sur la mort, regrette sa disparition. Mais moi, on a beaucoup de mémoire. Depuis 60 ans, on connaît Dave. Nous avons été amis pendant le travail quand il retournait de l'Angleterre. On a été professeurs. Et depuis ça, on est restés des bons amis. J'ai lu beaucoup de ses poèmes, surtout son poème « Lit » et son « Paltolo arc-en-ciel ». Dave, c'est un Dimoun qui, pour résultat dans mon équipe, hein, c'est nous tiennent camarades et nous sommes guettés assez souvent. Dave aussi, ce qui m'a retenu pour le langage créole, pour les pauvres, parce qu'il y a une quantité pas connue, il y a une guerre pour les pauvres. C'est un Dimoun qui a bon cœur, malgré les directs. Hein, mais c'est un grand-père pour l'île Maurice. Dave, Loga et moi et mon époux, nous avons grandi nos enfants ensemble. Il a accompli ce qu'il avait accompli dans sa vie. Et il part avec l'amour de tout le monde et la reconnaissance aussi de tout le monde. Monsieur Dave Rassomi est un gentleman. Religieux aussi, et il est bien sentimental, il est bien proche avec nous. Beaucoup de travail social, il fait. Puisqu'il est malade aussi, il peut donner une causerie, il peut causer de bonnes affaires. Il peut planter pied manioc, pied patate. Il est bien content de faire une petite chose pour le monde. Il quitte un bon souvenir avec nous, il quitte un bon souvenir avec la famille. Dave Rassomi, en effet, émet le souhait qui, chaque Mauricien, met en terre un pied fruitier. C'est ainsi que, le 20 octobre dernier, MBC met en terre une plante en présence d'Anouchka, Tifi Dave Virasomi. Parmi les dernières volontés qui finit mettre pour Dave Virasomi, c'était qu'il s'abonne la prière en sanskrit là, zot résonné pendant ce funérail. Om Bhur Bhuvasvaha Tat Savitur Varenyam Dave Virasomi fait un code de droit d'auteur sur un livre plus de 4000 documents à l'Institut Cardinal Jean Morgeo. Public pour capable consulter l'ensemble de son œuvre, d'ailleurs pour créer un département sous nom Dave Virasomi, il est connu comme un grand défenseur de la langue créole et il pourrait être une source d'inspiration pour une génération future. Ça fait 40 ans depuis qu'il nous célébrait la journée internationale la langue et la culture créole. Dans ce contexte-là, finit la tabronne avec ban jeune auteur mauricien. Ban auteur qui fin évoque ce parcours, mais avant tout ce intérêt pour la langue créole mauricien. Femme, compagne, femme, la terre, femme. La forêt, femme, si mais, femme, la nature, femme, mémoire, femme. Certains trouvent ça du là. Je vous dis, il est bien émouvant, moi, quand on va se dire là, parce qu'il y a un livre de ces larmes dans une place.
Et nous dit promet moi qu'un jour nous passe de ce côté-là. Et on arrive. Et il est bien intimidant. Bien intimidant. Mais si mon récit arrive dans sa place-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a plusieurs du monde qui dans la salle-là qui nous accompagnent jusqu'à là. Et pour ça, nous disons merci énormément. Il y en a des gens qui m'attrapent mon âme, qui sont avec moi dans le monde créole. Henri, ma réponse, pas Henri. Merci. Il y en a des gens qui m'accompagnent moi dans le plan académique, qui me fait moi créer un premier research project en créole mauricien. Merci, M. Corpora. Il y en a des gens qui m'accompagnent moi dans le monde professionnel, qui m'ouvrent vraiment la porte, le monde professionnel dans l'école. Merci, madame. Bonjour. Il y en a des gens qui m'aident moi pour la réunion, pour étudier, pour faire un master dans sciences du langage et monde créole. Merci, M. Pascal Nadal. Et il y a Benjamin, donc l'éducation pour travailler, qui nous demande aussi beaucoup pour faire un research project, tout ça. Donc, je vous remercie. Et si il y a un étudiant qui l'a, je vous dis dans sa portée, l'assistance, c'est là. Service. Et oui, ça m'a là, moi, sorti un deuxième roman qui s'appelle Bouquet Flecan, parce qu'il y a une santé, Jean-Marie Barré, qui est extra content, qui appelle Marissa Langan. Et là, dans les sur le face, c'est mon bouquet Flecan, tu vas battre, Marissa Langan, mon amour va rendre. Bon, extra content, ça texte-là. Et aussi, un bouquet Flecan, parce qu'il y a une période dans l'année, donc quand on campe, c'est extra joli, trouve ça. Pas tout côté, enfin, côté la campe. Mais c'est tout. Je ne sais pas si c'est une déjà coupe un cheese flecan, il est joli quand il est loin. Mais quand je coupe lui, quand je prends lui, je lui mets lui comme vous, quand je lui mets lui, il est à l'aise, il a joué une mot, tout comme ça. Donc c'est ça pour les flecan, et c'est ça qu'il raconte dans ce texte-là. Donc il vaut mieux qu'il est loin. Parce que tant qu'il y a des affaires qui sont contents et qui sont loin, on peut admirer comme tu t'es en vie. Et comment on gagne lui, dans où l'emmène. Qu'il faut aller passer aux affaires qui vous peut admirer tout ça avec ton Aïla qui fait beaucoup de plaisir. Nos mémoires, c'est nous, l'espoir, la métro d'or, tout saut dans le noir. Croire, tracer, pleurer, réussir. Langage créole, tout coubelle, pareilles étoiles dans nos équerres, ce qu'il tire, ce bon mot, faire nous rayonner. Nous qu'il tire pour rester toujours nous l'identité. Une lèvre poissime, nous créolité qui vit à volter à travers le temps, où les demeures enracinées à l'intérieur de nous. Langage créole, langage équerre. Quand nous rêvons, nous sommes capables de faire vivre une réalité. Langage créole, c'est cimer nous la société. Pareil comme en anglais, français et espagnol. Exprime-toi. Littérature créole se place dans la République Maurice sur l'avenir, sur une perspective. C'est autour de sa réflexion-là qui tout ban invité fin réunir dans MAI avec thème littérature créole, nouveau la voix, nouveau texte, nouveau style. L'Académie créole mauricienne est créée et qu'en 2011, un orthographe, une grande officielle, et qu'en 2012, créole est droit dans les causes pour 26 ans. Ils suivent ceux et même moyens des enfants dans l'école, sur un parent crap sur l'année. Ils année là, ils peuvent examiner, school certifié, avec un événement particulier, c'est que c'est le premier sixième qui peut examiner dans Maurice. Donc c'est le commencement mauricianisation, nouveau système d'examination au niveau d'éducation à Maurice. Et donc sa logique décolonisation là, nous prend une pertinence particulière. Et il n'est pas innocent que c'est le créole mauricien qui première matière qui concerne. Donc on voit qu'il peut y avoir les autres cisés qui peuvent rentrer dans sa MIBILA. Mais le fait que la première matière qui rentrait, c'est concerne l'angle qui prend naissance dans Maurice, qui est une langue maternelle, population maurice, et langue nationale européenne, tout ça, symboliquement est extrêmement intéressant. Banmo sans frontières. Quand Nounan commence à venir un écrivain. Quand l'esprit commence à venir s'égratier. Quand on assise tranquille, en bas un pied pas d'armée. Et commence à créer quelque chose au milieu d'une partie de minou. Et un qui peut commencer à tracer un dessin.
et n'a qui peut essayer rythmer un tabla et un djembe. Et n'a aussi qui peut commencer à visiter l'armée pour faire l'artisanat causant des mots. Léa, l'esprit est du monde transformé. L'expérience, l'état d'un mot sans frontières. Pareil comme à une sage de sa méditation. L'esprit voyageur trouve cela inspiration dans un mot qui ribit. Dans nous ordre un esprit, l'y allumer. La sagesse se la lumière. Un avis sur réalisation. Un texte qui raconte un rêve, un parcours, un cimé. Est-ce qu'il y a une quitteuse en particulier qui inspire ou peut écrire? Tout à fait. Comme on commence, comment dire, entre l'univers créolophone, on réalise qu'il y a beaucoup de souffrance qui est attachée avec langage créole, l'identité créole. Et les temps, comment dire, mon expérience, on me dit qu'il y a une bombe qui apaise nos cœurs, il y a une quitteuse qui déroulait, qui aussi, comment dire, de nous réconfort. Là. Donc, le thème qui porte derrière ça, livre, là, c'est résilience. Et comment dire, c'est sa résilience qui nous découvre à travers le langage. Là, qui, si nous pouvons exprimer nos souffrances, nos émotions, dans le langage maternel, nous sommes aussi capables de trouver bon, là, nous sommes aussi capables de trouver ça réconfort là, à travers le mot en créole. Et à l'époque, mais tu as envie d'écrire quelque chose qui est justement russien, qui, comme moi, qui pas osé exprimer dans une langue, peut-être même dans la diaspora qui quitte le pays, qui me disait adopter dans les autres langages. Moi-même, comme je disais, dans un avis précédent, je travaille un an de côté agronomie, mais c'est dans le domaine agriculture. Je travaille beaucoup avec des étrangers, des Sud-Africains, des Australiens. Et dans mon lieu de travail, je me rappelle des affaires, une loi qui est bien claire, qui est bien définie, qui m'a bien droit servir mon langage pour exprimer moi. Si je n'ai quelque chose pour dire dans le bureau, je vais exprimer en anglais. Et à l'époque, je ne sais pas qui faire quand il dit moi ça, je me suis senti quelque chose dans mon cœur qui m'a dit une crampée, qui m'a rassé. Je me suis senti que je me suis perdu un petit moi-même. Mais là, avec les temps, mon gain à sens, comment dire, rentre de côté l'enseignement créole mauricien. C'était un rêve quelque part qu'il réalisait. Et oui, les temps où il commence à écrire, sa collection poésie, là, me dire, mais il y a un thème qui peut y avoir, c'est résilience, réconfort. On donne pour la vie, qu'il était, qu'il y avait, sans l'économie, sans des tours grands léguer, sans qu'elle garantie. Sans visa, sans retour, mon donne mon la vie, pour la vie, pour l'amour. Mon donne mon la vie, voilà les ciels enflés, l'élan bengali, démaillé dans les airs, balisas abolies, non nié, n'est plus pareil, mon cadeau, mon la vie, une merveille. Mon la vie. Mon donne, mon la vie, sans maquillage, sans fort. Tout ni, sans lapis, sans faire port. Sans béquille, Dieu merci, sans ta bise, scapinée. Mon donne, mon la vie, ça moi ça, mon manier. Mon donne, mon la vie, l'info s'est déformée. Terni, travesti, dans l'ili, l'intérêt. L'île piétine et meurtrie, désirée, résétée. Mon cadeau, mon la vie, qui côté, mon la vie, mon donne, mon la vie, mon la lite, mon combat, qui donnait peine en prix, ni là-haut, ni en bas. Mon donne, mon la vie, mon dignité, c'est mon droit.
mon rêve, l'utopie, liberté, mon la loi. Mon don, mon la vie, sans remords, sans regret. Tomber, lever, pas fini, mon écrire, mon destinée. Insoumis, sans répit, quand l'espoir, mon aller. Mon cadeau, mon la vie, à la mon l'éternité. Mon la vie, mon la vie, mon la vie, mon la vie, mon la vie. C'est la première fois que créole mauricien l'IP proposé à ban l'examen school certificate, ban l'examen créole mauricien qui fin placé le responsabilité National Education Board. Ce président, professeur Vassenaek, fin exprime toute sa fierté pour lui ça montrer l'évolution de la langue maternelle. Je me l'a plus par rapport au parcours dans la KM, dans MAI, dans tout ce qui tourne autour de sa problématique. Alors, au discours, il faut accélérer plusieurs thèmes de ça. Alors, valorisation, mise en travail, ce qu'on appelle le cadre, qui s'en prend pas mal, ce qu'on appelle le National Curriculum Framework. Valorisation, c'est aussi par rapport à le Teaching and Learning Syllabus. Valorisation, c'est comment nous pouvons évaluer les enfants. Mais dans cette valorisation-là, il y a une fonction pédagogique très particulière par rapport à la langue créole, parce qu'il est la langue maternelle, mais il y a aussi la langue identitaire, il y a une langue culturelle. Et il y a une fonction par rapport à la culture. Mais il y a une fonction importante dans la pédagogie. Sa fonction-là, c'est nous tirer, nous l'archiver, nous tout le temps nous tirer nous-mêmes. C'est qu'il y a des enfants quand dans l'école, dans grade 1, ben, c'est apprendre des langues qui sont pratiquement étrangères. Et il fait une violence qui nous tient dans le langage technique, une violence symbolique de ce moment. Alors, quand les enfants apprennent dans ce langue, il y a une fonction qui les sécurise. Bon. Il y a une fonction qui accueille les enfants. D'accord. Il y a une fonction affective. Il y a une fonction psychologique. Bien sûr, il y a une fonction identitaire. Ben, les autres intervenants, parmi directeur MAI, professeur Aimante Bissoundouyal et secrétaire à l'Académie créole République Maurice, Soubiraj Pormessa, fin retrace l'évolution de la langue créole et fin rappeler l'importance encadrée d'un écrivain mauricien. Alors, moi qui les autres MAI aujourd'hui pour célébrer ensemble la journée internationale créole. Pour MAI, comme pour les autres institutions concernées, ministère de l'Éducation, AKRM, UOM, et Creole Speaking Union, célébration aujourd'hui, il y a un grand jour parce qu'il peut célébrer dans un côté 40e anniversaire de la journée internationale de Creole, comme mon général Béatrice, et la journée qui fait une ville importante dans le contexte national République Maurice. Dans l'autre côté, cette année-là, il y a une année historique que pour la première fois dans l'histoire République Maurice, Créole Mauricien peut examiner au niveau grade 11, c'est-à-dire niveau National School Certificate. MAI, ministère de l'Éducation, l'Université Maurice et Creole Speaking Union font jouer un grand rôle pour permettre le langage créole mauricien évoluer dans le système d'éducation pour arriver jusqu'à ce niveau qui est là. Je profite pour féliciter le programme staff du département créole République Maurice. MAI, qui, malgré beaucoup de pression qu'il y a dans nos autres, qui sont conscients, peut faire honneur à l'institution MAI dans la bonne qualité de travail qu'ils ont mené. Comment la langue est standardisée, parce qu'il y a plus de 600 à 800 langues en Chine entière. Alors peut-être pour nous, c'est un événement qui peut manquer et qui peut manquer définitivement, avec autant de publications. Par exemple, samedi, quand nous disons à nos cause parole, nous guettons une évolution
de Sheldon Kinbini, Bickerton Kinbini, jusqu'à Professeur Carbon Kinbini à Maurice, et puis les autres, et bien probablement autant d'autres OTE qui publient. Alors, en tant que représentant de l'AKM, AKM sous l'égide du ministère de l'Éducation, et nous là pour promouvoir et l'écriture de la langue créole, standardisation, et l'orthographe, la grammaire et tout, ben nous vous faisons tout dans nos possibilités, dans nos limites aussi, pour qu'ils promouvoient cette langage, cette culture, cette belle culture qui nous doit appartenir. Parti épuisée, parti qu'on travaille, au contraire, ce courage, parti loin, ça qui ne vous gâche pas. Malgré les chèvres frêles de cadavre, les parti pères poussent sur la soie de la terre. L'année allée, l'année venue, la terre tira de nous. Ziz grande la mer qui dépasse Zardin, Manouk César et Patalbert qui missel si nous planter, si l'on se ban disciple fidèle. Missel tient nous en part, li tire différent, peut-être avec nous. Ce qui t'y prie en vie, c'est lui-même négocier. Personne ne peut pas comprendre missel, ni même des fois, li t'y maille dans l'esprit. Mais qu'à faire, sourire, tu sourire. Un rêve qui pourtant partisan mais réalisé. Michel tient aussi bon l'équerre. Après l'école, chaque travailleur tient dans son pas réservé. Pour chaque drôme qui est ramassé, un drôme ne tient pas à table. Et tout est-il qu'on écrit dans une bonne phrase mon email. Est-ce que vous êtes capable de dire un peu plus long, non? Écoutez, tout le monde dans lui-même d'une certaine manière, il est un peu écrit, il est un peu acteur. Papa, quand on est toujours un peu moins bien, on va dire, bon, même moi, mal ça là. Mais un petit peu dans nous, nous avons envie d'une sacrée chose. Mais c'est moi qui avons traversé dans la vie. Vous pensez quoi, un petit peu de l'un écrivain, il disait un petit peu dans lui-même d'abord. Après, nous, qu'il s'est dit, mais il avons traversé peut-être dans la vie qui, ça événement là, il tous dit trop faux. Alors, il vient écrire une histoire. Quand moi, fragmentise moi-même, c'est vrai. Par exemple, peut-être pour l'histoire. Peut-être pour l'histoire de Mosen, mon parcours raté. Et peut-être. Quelque chose qui n'allait pas le retourner. Et mon cas rattrapé seulement là-dedans. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a une quitteuse en particulier qui inspire ou pour écrire? Tout à fait. Comme on commence, comme un gérant de l'univers créolophone, on réalise qu'il y a beaucoup de souffrance qui est attachée avec le langage créole, l'identité créole. Et les temps, comme on dit, mon expérience, on me dit qu'il y a une bombe qui apaise nos cœurs, il y a une quixeuse qui déroule, qui aussi, comme on dit, de sa réconfort. Là. Donc, le thème qui porte derrière ça, là, c'est résilience. Et comment dire, c'est sa résilience qui nous découvre à travers le langage là, qui, si nous pouvons exprimer nos souffrances, nos émotions, dans le langage maternel, nous sommes aussi capables de trouver baume là, nous sommes aussi capables de trouver ça réconfort là, à travers le mot en créole. Et à l'époque, j'ai envie d'écrire quelque chose qui est tout mauricien, qui, comme moi, qui pas osé exprimer dans une langue, peut-être même dans la diaspora qui quitte le pays, qui nous a adopté par les autres langages. Moi-même, comme je disais, dans la vie précédente, je travaille un an de côté agronomie, je suis dans le domaine agriculture. Je travaille beaucoup avec des étrangers, des Sud-Africains, des Australiens. Et dans mon lieu de travail, je me rappelle une affaire, une loi qui est bien claire, qui est bien définie, qui m'a bien droit servir mon langage pour exprimer moi. Si je n'ai quelque chose pour dire dans le bureau, je vais exprimer en anglais. Et à l'époque, je ne connais pas ce qu'il fait quand il dit ça. Je me sentais quelque chose dans mon cœur qui m'a dit une crampée qui n'a rassé. Je me sentais que je me perdais une partie moi-même. Mais là, avec les temps, je gagne un sens, comment dire, rentre de côté de l'enseignement créole mauricien. C'était un rêve quelque part qu'il réalisait. Et oui, les temps où je commence à écrire, sa collection poésie, là, je me dis, mais il y a un thème qui peut être, c'est résilience, réconfort. Pendant ça, l'événement-là fin aussi et a dévoilement nouveau logo AKRM. Fin aussi et a une exposition sur l'évolution langue créole mauricien.
Nous, l'émission Lire, écrire, créole mauricien finit ici. Madame, messieurs, merci pour l'attention. La semaine prochaine, nous serons pour une autre émission Lire, écrire, créole mauricien.